Bonjour les amis, vous êtes toujours là? Voilà, vous voyez, je viens d'assister à une soirée de gala, une soirée de clôture donc pour cette convention de conférenciers professionnels auquel je vous faisais allusion les jours précédents. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est cette énergie absolument fabuleuse, cette énergie de gratitude, de valorisation dont les Américains savent faire preuve. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça exagéré ou pas, là n'est pas la question. Ce qui m'a particulièrement touché ce soir, c'est justement cette capacité qu'ils ont de pouvoir valoriser les gens, même ceux qui chutent. On a eu affaire à des conférenciers cette semaine, en tout cas à un conférencier cette semaine, qui par le trac n'a pas pu continuer sa conférence. Ils lui ont donné une deuxième chance, il a même eu une standing ovation. Et même quand qu'il n'avait plus de capacité terrorisée et tétanisée par la peur et le trac, les gens l'ont encouragé. Et c'est cet esprit, cette énergie-là que je retiens, bien entendu, à côté de toutes les autres choses qui m'ont enrichi ici à Washington. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je sais qu'en France, il y a souvent ce débat, c'est exagéré, etc. Mais en attendant, je préfère retenir le meilleur, c'est qu'ici, les gens se concentrent sur ce qu'on peut faire de mieux, c'est tirer les gens vers le haut, c'est les valoriser, c'est aller chercher ce que vous faites de mieux. Et en fait, quand vous savez ce que vous faites de mieux, vous pouvez augmenter votre confiance en vous. C'est un univers, c'est un état d'esprit absolument fantastique que j'avais envie de partager avec vous. Je viens de coucher, il est tard, et je vous dis merci encore de me suivre parce qu'à mon tour, je suis vraiment très reconnaissant de vos messages, de vos messages de gratitude, de vos likes, de vos partages, de mails que je reçois, de gratitude. Et ça me nourrit à mon tour. Donc voilà, c'est un échange. Et c'est exactement ce que nous avons appris ici aux États-Unis, donner pour recevoir. Que ça plaise ou pas, j'espère que ça vous plaît. Mais en tout cas, mon intention vient du cœur de partager avec vous mon bonheur afin de vous montrer qu'il est possible de rester optimiste quelle que soit la situation que l'on vit en ce moment. Je vous dis, simplifiez-vous la vie, soyez heureux et à très très vite. Ciao.